Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de la matinale avec Marie. Rappelez-vous que c'est une short vidéo qui va s'arrêter à un moment donné. Donc si vous voulez avoir la suite de ce message, je vous invite à aller sur ma chaîne Marie Fatma sur YouTube. Là, vous aurez les guidances complètes. Ce matin, on me parle d'une personne qui est obsédée par toi. Une personne qui veut être à ta place, qui a envie de ta vie. On parle également ici de quelqu'un qui rêve d'être toi et peut-être même qui rêve malheureusement ici de coucher avec ton mari ou ta femme. Donc on parle ici de prendre le temps de demander au guide de te garder, de te protéger. L'Esprit Saint ici, le Saint-Esprit est là, on te dit de demande au guide ici, demande à la Vierge Marie de t'apporter une guérison. On parle de quelqu'un qui t'a envoyé des échecs quand même, hein. On parle d'une personne également qui a essayé de te trahir d'une certaine manière et qui t'a envoyé de la fatalité, d'accord? Nous avons la fatalité, la trahison et la jalousie. On parle des accusations aussi qui ont fusé. Mais rappelle-toi que tu as la victoire. Et on te dit d'avoir la foi par rapport à cette ouverture de porte. On vous demande aussi ici pour certains de prier, enfin pour certains, vous tous de prier Saint François d'Assise par rapport à votre maison. Il y a une guérison qui doit se faire là. On parle de quelque chose qui est en train de naître pour quelqu'un ici. Ça peut aussi être une grossesse proprement dit. On parle d'une séparation avec un homme. D'accord? On me dit de te dire de fermer la porte à cette personne. Je sais que tu vas reconnaître de qui on parle. Ça peut être un oncle, ça peut être une cousine, ça peut être ton autre. On parle d'une personne qui te veut du mal. Je le dis, je le répète ici. Ok? Il y a un voyage que tu vas faire. On te dit que ce voyage va t'apporter de la joie. Ce voyage va t'apporter également un retour ici à une meilleure compréhension de ta vie, de ta situation. On parle d'évolution, on parle de compromis, on parle de distance et d'étrangers également pour pouvoir retrouver la stabilité. Donc ce voyage ici, il y a un voyage qui va être fait pour une femme, ma foi, ou alors c'est par rapport à ta femme. On parle ici de cadeau de la vie, on parle d'un contrat qui vient pour toi, on parle de chance ici et on te dit que tout ce qui a été en retard là, tu vas le recevoir. La culpabilité ici, la santé, le carrefour, on te parle ici de prendre le temps de guérir de tout ce que les gens ont pu t'envoyer comme mauvais œil, comme doigté, en te disant oui, il n'est pas ci ou elle n'est pas ça. Donc prends le temps ici de guérir de ça et demande à l'Esprit Consolateur de t'apporter la paix. On parle de paisible ici avec le Saint-Esprit. Ok? On te dit d'écouter aussi les signes de l'au-delà. Tes anges gardiens sont là, ils vont te guider. On te demande de rester optimiste. Donc tes anges gardiens sont aussi là pour œuvrer pour ça. C'est à toi de leur demander et de savoir comment demander. Il y a des bienfaits qui viennent à toi. On parle d'abondance et on parle encore de tes anges gardiens qui sont là. Ils œuvrent pour toi. Donc demande et tu recevras. Et on te dit ici, sans concession. C'est-à-dire qu'il y a une personne ici que tu dois dégager sans concession. Tu fermes la porte, tu bloques ton téléphone, tu fermes tout. Parce qu'on parle que si tu ne le fais pas, cette personne va t'avoir à l'usure. Et quand elle va te mettre à terre, c'est là que tu vas te dire, waouh, j'avais entendu ça sur une guidance de Marie Fatma. Alors fais-le maintenant, parce que tu as déjà montré peut-être une première fois, une deuxième fois. N'attends pas la troisième fois, parce que la troisième fois, ce sera juste ta mort. On te dit ce soir que c'est une personne qui te veut l'échec, qui veut te voir à terre. Et peut-être même que cette personne, si elle s'approche trop de toi, elle va peut-être aussi te faire des choses de coup bas dans le style sorti avec un autre, ta femme ou ton mari. Chacun adapte. Et ici, j'ai également eu ces deux messages ici qui parlaient de fatalité, d'accusation, de jalousie, de trahison. Donc, c'est quand même des trucs très forts, hein. Donc, quand on a des messages comme ça qui se suivent, il faut vraiment que tu fasses attention à toi. Préserve ton énergie, protège ta maison. On te dit de demander à Saint François d'Assise ici. Et même si tu as des animaux, il y a des énergies qui peuvent passer par des animaux. Ou alors tes animaux vont te communiquer quelque chose. Tu sais, tu as des animaux quand tu as un chien par exemple ou un chat qui commence à miauler quand il voit quelqu'un ou alors qui commence à aboyer quand tu vois quelqu'un. C'est un exemple. Chacun va reconnaître un petit peu de quoi je parle ici. Ok? On te dit dans tous les cas, on te donne la clairvoyance. Ok? Tu as la clairvoyance par rapport à cette situation qui veut t'apporter de l'échec dans ta vie. Et on parle également d'un enfant ici. Donc fais attention, ça peut être qu'on veut attaquer ton enfant ou peut-être on va passer par un animal de compagnie. Il y a des gens qui attaquent les autres et tu entends que ton chien est mort, ton chat est mort ou des choses comme ça parce qu'ils ont envoyé quelque chose de tellement puissant pour t'atteindre que c'est ton chat qui va prendre parce que ton chat t'aime et il est là pour te protéger aussi. Donc, on te dit que tu auras la victoire et demande à Saint François d'Assise. Avec Saint François d'Assise, tu vas gagner. Ici, j'ai voyage en toute sécurité avec Saint Christophe. Ça veut dire que Saint Christophe, c'est celui qui a porté l'enfant Jésus pour faire traverser un fleuve. Et il ne savait pas que c'était Jésus qui portait. L'enfant était tellement lourd, comme vous pouvez voir ce petit garçon ici. Il était tellement lourd qu'à un moment donné, il a dit, mais
Qu'est-ce que j'ai porté? Qui est-ce que j'ai porté qui était aussi lourd? Et quand elle a déposé l'enfant, l'Esprit lui a dit que c'était Jésus. Peut-être que tu portes des choses lourdes aujourd'hui, mais on va te faire décharger. Et que si tu portes Jésus avec toi, sache que tu seras toujours vainqueur. La victoire est là. Cette victoire ici, tu l'auras avec Jésus. Rappelle-toi que tu es sur la matinale avec Marie. Les messages sont divins, sont prophétiques également. On te dit des émotions ici avec Sainte Dipna. D'accord? Des émotions. Peut-être que tu as eu des moments difficiles, des moments compliqués, des moments lourds, mais on vient t'apaiser ici. On vous dit, vous avez trouvé quelque chose. Tu vous avais trouvé grâce à la foi. On t'ouvre une porte ici. On te dit avec Saint-Antoine de Padoue, tu as perdu quelque chose que tu vas trouver. Ok? Tu as peut-être perdu ta sérénité, tu as peut-être perdu de l'argent, tu as peut-être perdu ton mari, tu as peut-être perdu ton enfant, tu as perdu quelque chose ici que tu vas trouver. Et même si tu as perdu un être cher qui est parti là-haut, tu vas retrouver la paix, paisible ici avec le Saint-Esprit. Donc rappelle-toi qu'en ce moment, on te demande de prendre un peu de retraite. Prends une retraite et demande à ce qu'on t'aide, qu'on te guide, qu'on te répare, qu'on te console, qu'on te guérisse. Je vous ai dit que je pars également au désert. Je vais aller au désert, aux États-Unis et en mer. J'ai un double soin que je fais énergétique. Donc ceux qui veulent faire partie de cette liste, manifestez-vous le plus tôt possible parce que ça va être un soin qui va dégamer, décoller tout ce que l'ennemi a voulu coller sur toi, ça va le décoller, je te le dis ici. Jésus a été dans le désert et c'est cette période pendant laquelle il est dans le désert. Donc j'irai faire ces soins pour des personnes qui sont encore dans le désert. Le désert peut durer des années. Mais sache que dans ce désert, le Seigneur est là, il va te sortir de là. Et dans le désert, même un petit scorpion qui va te piquer, il est mortel. Parce que les gens qui sont avec toi dans le désert veulent tout simplement te voir à terre. On parle des personnes ici à qui tu dois fermer la porte. Et puis, ce sont des entités. Donc, n'hésite pas à demander un accompagnement, une guidance privée, un soin énergétique. On te demande d'être vraiment assidu, d'être sérieuse parce qu'on parle d'approfondissement ici. Peut-être que cette guidance t'invite à avoir la foi et à approfondir de quoi je te parle. D'accord? On te demande d'avoir une sage décision par rapport à l'ouverture de porte que tu reçois aujourd'hui. Et ici, on parle d'études supérieures pour quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un qui va avoir un diplôme là, qui va te permettre de pouvoir continuer sur des belles voies. Et on parle aussi de quelqu'un qui aime peut-être de la musique ici avec Sainte Cécile. Ce matin, j'ai ici le progrès avec la consultante. D'accord? Ce progrès ici, c'est Sainte Thérèse de Lisieux, petite fleur qui vient t'aider. Parce que hier, j'ai fait le rosaire. Ce matin, j'ai fait le rosaire avec Sainte Thérèse. J'ai fait la prière avec Sainte Thérèse pour obtenir des miracles sur des situations impossibles. Nous avons ici la musique. Et qu'est-ce que j'ai derrière la musique? Nous avons prié. D'accord? Prier pour que cette situation change. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, j'ai ici également pratique. La pratique conduit à la perfection. Pratique. Pour pouvoir trouver cette guérison. On a demandé, Maman Marie a demandé de mettre une action aussi. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent sortir de certains schémas répétitifs, de certaines situations compliquées, mettez l'action pour trouver cette guérison. J'ai la guérison ici avec Saint-Père Pio. Donc, il y a quelqu'un ici qui doit prendre le temps. Il y a eu des réunions là, il y a eu des retards. Mais si tu fais ce qu'il y a à faire ici, l'action, c'est de demander un soin énergétique et un accompagnement pour qu'on te libère. Je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, demande une guidance afin que ton accompagnement se retrouve en tête des listes pour que tu puisses en profiter au maximum pendant cette période de carême et de Pâques où les énergies sont puissantes. Donc, profite pour pouvoir libérer ces douleurs, ces choses dont tu as plus besoin parce que ça t'empêche d'avancer tout simplement. On parle de bien manger également avec l'archange Saint-Raphaël. Donc, il y a vraiment une guérison ici qui va passer également par le ton conduit alimentaire, par ton estomac, par ton alimentation. Donc, il y a quelque chose qui doit se nettoyer, purifier là, à l'intérieur. Et on te dit que tu vas trouver de la récompense. Il y a une vraie récompense qui vient pour toi avec tes anges parce que en faisant cette action, en mettant les choses en place, tu vas trouver un cadeau. Tu auras un cadeau divin et on te parle de récompense. Et on te parle également de pardonner. Sainte Marie Madeleine, elle t'invite à pardonner et j'ai également la Vierge Marie qui t'invite à pardonner. D'accord? Donc, on a deux Maman Marie qui nous invitent au pardon. Ici, Maman Marie te dit, je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Il y a deux personnes peut-être ici à pardonner aussi. Mais pardonner ne veut pas dire reprendre les gens dans ta maison. Il y a une personne là qui va falloir fermer la porte. Tu pardonnes, mais tu te protèges. Et tu demandes à ce qu'on te libère des énergies toxiques et négatives. Ok? La confiance ici t'invite vraiment à rester confiant que vraiment tu as de l'aide de l'au-delà. Tu restes optimiste et tu es paisible parce que le Saint-Esprit qui est l'Esprit consolateur, qui est là pour nous guider, c'est la troisième personne de la Trinité, est avec toi. Tu n'es pas seul.
Donc, le message ici, peut-être si tu es dans un lien d'âme sœur, de flamme jumelle, ça c'est le dernier message pour les gens qui sont dans une relation peut-être sentimentale. Mais ma foi, ça peut aussi être une relation avec un enfant. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne ici ce matin? Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Il y a quelque chose ici que tu dois libérer et demander à ce qu'on te guide, on t'accompagne. Il y a des choses que tu ne peux pas faire toute seule. Alors, c'est pour ça que je vous invite à demander aux soins de Dieu. Je ne suis pas que là pour vous donner des messages, des bonnes nouvelles. Je suis là également pour libérer des karmas, des énergies négatives parce que j'ai reçu l'onction pour le faire. Et sinon, je ne serais pas là. D'accord? Donc, il faut savoir faire la part des choses quand vous venez sur ma chaîne. Vous êtes là pour apprendre, pour grandir, pour ascensionner, pour rester dans l'amour, pour savoir pardonner, pour vous protéger, pour être dans l'amour de soi. Mais surtout et plus que tout, pour libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie pour pouvoir être tout simplement comme cet aigle qui vole pour aller vers l'Esprit Consolateur, le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, tout se manifeste, tout est possible. En Jésus, tout est possible. Ce soir, ce matin, sur cette matinale avec Marie, on te dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Rappelle-toi que tout à l'heure, on t'a dit quoi? J'ai ici une carte qui disait de prendre soin de soi. La décision ici, tu l'as trouvée. J'ai une carte qui, la retraite, d'accord? La retraite t'invite à prendre le temps pour toi, d'accord? Et là, on te confirme de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Rien que pour toi. C'est très important. Ce matin, sur cette matinale avec Marie Bellame, je t'aime et je t'invite à pardonner pour que tu reçoives ta bénédiction, que tu reçoives ta grâce, que tu reçoives ta double part, ta triple part. Parce que c'est quand Job a pardonné à ses ennemis qu'il a reçu sa double part. Donc les gens qui t'envient, laisse-les t'envier. Mais ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Personne ne peut te l'enlever. Ta couronne, elle a été placée par Jésus. Amen. Dévotion, on t'invite à continuer à être dans la dévotion peut-être de tes enfants, de ta famille, de ce que tu as de plus important et de ton papa céleste. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Donc, reste dans la dévotion de ton Papa Céleste. Moment présent, je suis pleinement présente ici et maintenant. Ce matin, on parle d'une vérité que tu vas entendre, tu vas savoir, tu vas comprendre. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Et rappelle-toi que le Christ est le chemin, la vie et la vérité. Donc, s'il y a une vérité que je dois comprendre, elle passera par Jésus qui va te la montrer, qui va te la conduire. Et ça passe par cette chaîne, par Marie Fatma, parce que j'ai reçu l'onction. Alors, fais confiance à cette guidance et laisse-toi tout simplement guider. D'accord? Regarde qui on a. Quand il sort, on n'a plus rien à dire. Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Il y a les enfants là. Je vais lire ça avant de finir celle-ci. On vous dit, mon cœur débordant d'amour pour les enfants, crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Amen. Il y a des enfants là à prendre soin. Peut-être que tu as des enfants qui sont compliqués, difficiles aujourd'hui, mais rappelle-toi que quand tu travailles pour tes enfants, tu travailles pour Dieu. Et on te dit la féminité ici. N'oublie pas que tu es une femme. Ou alors peut-être que tu es un homme, mais ta partie féminine ici, elle doit également vivre. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Et pour finir, on t'invite à prier. À prier qui? À prier Jésus. Il y a le pardon là et Jésus est au milieu et on te demande de prier. C'est magnifique. C'est juste parfait. Je vais finir là et ensuite je te lis ces deux là. Ok? La joie vient dans ta vie. Tu vas vibrer la joie. Confiance. Optimisme, confiance, foi. C'est presque aligné. Tu vois? La transformation se produit à travers l'acceptation. En acceptant ce message comme un message de tes guides, de tes anges gardiens qui te disent qu'il y a un signe de l'au-delà qu'on t'envoie. Reste optimiste, paisible. Le Saint-Esprit qui est là, qui est l'Esprit Consolateur, t'apporte des bienfaits dans l'abondance. Sans concession ici avec Sainte Agnès de Rome, on te dit de ne pas avoir de concession avec ces personnes qui sont tiraillées à te faire des choses. Prends le temps pour toi et prends le temps pour guérir. Demande un soin énergétique. Le soin énergétique est pour toi et pas pour ton autre, pas pour tes enfants, c'est d'abord pour toi. Parfois, il faut savoir être égoïste. Oui. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, la transformation, tu vas te transformer, se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et Jésus te dit, je suis là, mon enfant. Je suis avec toi. Tous les jours, à chaque instant. Pardonne à deux personnes là. D'accord? Le progrès constant avec Sainte Thérèse
délicieux, petite fleur. Vous pouvez faire le rosaire de Sainte Thérèse aujourd'hui. Je vous invite à le faire. Vous allez le trouver sur YouTube. Sainte Thérèse. Jésus te dit quoi? Je prie. Cette carte te dit, c'est Maman Marie en fait, qui t'invite à prier son fils. Tout comme Jésus nous envoie à prier Maman Marie. Ce matin, Maman Marie te dit, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Et elle tambourine ici par rapport à cette jalousie, par rapport à ces accusations, par rapport à la fatalité, par rapport aux trahisons que tu as vécues toute ta vie dans ta situation et qui ont mis tellement longtemps. Elle te dit, prière. Prier qui? Son fils. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Amen. Prie Jésus pour cette situation, pour que l'impossible devienne possible. Ce matin, belle âme sur cette matinale avec Marie. Je t'envoie beaucoup d'amour. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous parlez vite, on n'articule pas. Je ne peux pas parler doucement parce que je fais des shorts et je fais des vidéos qui ne vont pas durer 105 ans. Donc, je suis désolée, mais c'est comme ça maintenant sur YouTube. Si tu ne parles pas vite, tu ne peux pas donner un maximum d'informations. Sinon, on fait des vidéos qui durent des heures et des heures. Et les gens travaillent, les gens n'ont pas que ça à faire. Donc, malheureusement, je vous invite à avoir de l'attention quand vous venez sur une guidance. Si tu es distrait à faire autre chose, tu vas louper certains messages. C'est très important. Et je t'invite aussi à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner ta petite cloche de notification. N'hésite pas à demander une guidance privée pour que je puisse t'accompagner. Et n'oublie pas qu'il y a une personne à qui tu dois fermer la porte. Tu pardonnes, tu fermes ta porte. Pardonner ne veut pas dire oublier. Si tu oublies, tu vas te faire couillonner une deuxième fois. Quand on est bon, on est bon. Si tu es bonbon, on te suce et il n'y a plus rien. Alors préserve ton énergie, protège ta maison, protège tes enfants. Rappelle-toi qu'il y avait des enfants là. Et tu es une féminine à part entière. Que tu sois un homme ou pas, il y a cette partie féminine en toi qui crée les deux polarités, yin et yang. Prends soin de toi. Surtout pour certaines femmes qui se sont oubliées, qui ont oublié qu'elles étaient des femmes, qui passent le temps à s'occuper que des enfants. Tu es venue aussi pour explorer cette partie de toi. Et la carte te dit quoi? Maman Marie te dit quoi? Je vais te la dire juste pour que tu comprennes. Pourquoi on insiste dessus? Parce que peut-être qu'il y a une femme ici qui a oublié qu'elle était une femme. Ce n'est pas celle-là. Donc, tu vois que si celle-ci est venue, on parle, elle est liée avec les enfants. N'oublie pas qu'avoir des enfants ne doit pas t'empêcher d'être féminine. Moi, j'en ai des enfants. Mais est-ce que j'oublie que je suis une femme? Non. Vis ta vie de femme. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. D'accord? Et pardonne-toi si tu as été dur avec toi-même. Pardonne-toi si tu as été dur avec tes enfants. Pardonne à tes enfants si ont été durs avec toi. Qui n'ont pas su que tu avais aussi une partie de toi qui était féminine. Et demande à Jésus d'apporter tout simplement la paix du Christ. Ce matin, belle âme, mets des limites. On te redit ça, mets des limites. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Mets des limites, ne laisse pas les gens te parler n'importe comment. Mets des limites. Et n'oublie pas que donner, c'est plus que recevoir. Donner et recevoir, cette carte t'invite à faire un don à l'association, à faire un don à la chaîne, à faire un don pour qu'on puisse continuer à avoir des fleurs, des encens, des bougies. Voilà, c'est très important de donner et recevoir quand tu reçois. Et donner, c'est plus que recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. D'accord? Ici, on parle de force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. S'il y a une personne là, dans ta maison là, tu dois plus laisser rentrer. Et garde confiance par rapport à ce message. Même si les choses ont pris du temps, la patience ici va t'amener vers la grâce. D'accord? Garde ta foi. Et la gratitude t'invite tout simplement à te dire tout simplement que tu vas recevoir un cadeau. Tu vois, je pensais que c'était fini. On te dit que tu vas recevoir. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Donc, tu vois qu'on t'invite ici à donner encore. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois. Tu reçois, donc il faut que tu donnes. J'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. C'est un message d'invitation ici à comprendre que ces signes ne sont pas des signes juste comme ça en l'air. Ce sont des signes de l'au-delà. D'accord? Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence et je les remarque et leur fais confiance. Rappelle-toi, confiance, on a dit plusieurs fois, et c'est ce qui va t'amener vers ta victoire. Et j'ai encore confiance, la patience et la grâce. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Et la patience ici te dit quoi? J'ai foi dans le synchronisme divin. On a dit tout à l'autre jour que
il y avait l'ordre divin pour recevoir un cadeau. Et on te parle que tu vas recevoir une grâce. Je suis empreinte de la même beauté. Oui, tu es empreinte de la même beauté que tout le monde. Hein? De la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Pourquoi les autres vont recevoir et pas toi? Mais ce que je peux te dire ici, c'est de ne jamais envier ce que quelqu'un a. Laisse Dieu te donner ce qui est à toi. Les gens qui t'envient, tant pis pour eux. Il y a des gens qui envient les gens, les autres, que si on leur donne votre vie, ils vont même pas rester, même pas une journée. Si on leur donne votre vie, ils resteront pas une journée. Alors, laissez-les vous envier, mais vous regardez à Jésus, parce que avec Jésus, vous aurez toujours la victoire. Dieu gagne toujours. Rappelez-vous de ça. Que quelqu'un dit ce soir ou ce matin, Dieu gagne toujours. Père l'âme, sois bénie abondamment à tous égards. Je t'aime de tout mon cœur, mais ça, tu le sais déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à toi, belle âme. À très bientôt. On avait encore prière en plus. Magnifique.